Et salut à tous, c'est Remart, on se retrouve pour un nouvel épisode de ce Let's Play sur Final Fantasy X, et c'est reparti! Alors, depuis le dernier épisode, j'ai bien avancé, j'ai utilisé 60 sphères HP, donc on voit que Yuna, Kimari et Remart sont maintenant à plus de 20 000 PV, j'ai aussi fini de modifier la défense de Kimari, donc ça y est, la HP extra, ruban, auto-carapace et auto-booster, comme il devait avoir. Ce que je vous propose là, plutôt que de regarder les combats OCM qui servent à rien, c'est d'aller se fighter d'autres chimères purgatrices. Hop, allez, on retourne au vaisseau. Donc on a déjà défoncé Valfort et Ifrit, maintenant on va défoncer Ixion. Ixion, alors Ixion se trouve dans la plaine foudroyée de mémoire. Liste, plaine foudroyée. Vous vous souvenez du type qui se trouvait sous la tour, je le trouvais chelou, je pense que c'est lui qui invoque Valfort. On va juste changer l'équipement de Remart pour mettre un bouclier de paix, histoire d'éviter de se faire aggro comme des boulets. Il me semble qu'il est par là. Voilà, il est juste au pied de cette tour, il est chelou ce mec. Il n'était pas là la première fois qu'on est passé. Donc, je me mets à côté de lui. Équipement de qui d'ailleurs? De Remart. Sanctuaire. Je vais changer Auron par Yuna. J'ai pas vu, mais je suis pas à full vie. Bah oui, c'est normal, j'ai pris une production à la con. Compétences de Yuna, soin max. Voilà. Et on va pouvoir parler à ce gars-là. Ah, bah oui, c'était bien lui. Something up there? Let's go. Noah, ils sont purgateurs. Fidèle. Ok, alors c'est parti. On va pas faire ça. Je vais défendre avec Yuna. On va mettre un champion de Blitz dans les dents. Je crois qu'il a 1 200 000 PV. Oh là 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 là, j'ai fait vraiment pas de dommage. Du coup, lui, combien il me fait? Il me rate. Quelque part, ça m'arrange. On va sortir au rond. On va balancer éradication. Histoire de faire tomber ses défenses, si c'est possible. Ce que je garantis pas. Priori, il garde pas contre ça. Raté. Waka. Un petit combo. Voilà. C'est exactement ce qu'il fallait. Seize fois 25, ça fait 400 000 dommages. Méga foudre. Même pas mal, ok. On rentre Yuna, on va se
soigner magie blanche, soit max sur rond. Ok, méga foudre. Sur la marte, c'est pas trop grave. Et on va sortir Kimari qui a beaucoup plus de vie. Ah, il le rate, fichier. Pim. Ouh. Overdrive, ça donne quoi? On s'en fout. Je pense que je peux l'encaisser. Électrodisque. 5000. Oh, c'était son overdrive. Oh, ça craint pas. Bah voilà, défoncé. Défoncé, Ixion. Il me file une griffe à la con. C'est dommage. Ok, ici on est toujours là. Foudre et illusion. Qui est prêt dans le grand nom du tonnerre. Ok, ça marche. Alors. Qu'est-ce que je voulais faire? Me soigner. Compétence. Luna, soin max. Où est-ce qu'elle est? Yeah, baston! Oh, voilà, c'est simple. Et là, son overdrive à fond. On va invoquer Anima au cas où. Oh, 27000 PV Anima. Je l'avais pas invoqué depuis que j'avais commencé à booster les PV. Elle a pris 14000 quoi. Tiens, prends le chaos dans ta tête. Pim. 29000. Électroflux. Il y a un truc juste derrière. Ouais, il reste pas la chimère, faut pas déconner. Et voilà. C'est vraiment une formalité maintenant ces chimères purgatrices. Pourtant elles font peur normalement, mais bon après c'est les premières. On verra quand on attaquera ben, muté et les grosses. Un brassard Genji. Ouais mais ce brassard je crois que je m'en fous, je l'ai déjà. Équipement. Le Kimari. Ouais, c'est tout moisi du cul. Dommage. Petite sauvegarde. Sauvegarde. Ben on va pouvoir aller voir Shiva. Avant ça. Overdrive de Kimari, c'est full. Formation. C'est Waka et Ron qui ont pas leur overdrive à fond. Ouais, tapez-moi.
Encore un petit combat, ce serait bien. Et on retourne au vaisseau. On va se remettre en formation potable. Yuna, Auron, je remplace par Reinhardt. Auron par Yuna. Ok. Et on va aller à Macalania. Liste. Lac de Macalania. Équipement bouclier de paix, oui. Donc lui normalement il est à l'entrée du temple. Oh, et du monde à l'entrée. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde à l'entrée. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer tout de suite équipement. Compétences de Yuna, soin max, voilà. Ouais, il m'attendait un purgateur, là, ça se voit. Traitor! Find your salvation on the far plane! Ouais! Oh là là, vraiment une sale gueule! Fou! Alors, comment se fera une petite éradication? Voilà! Un petit combo. Donc Shiva a 1 100 000 PV aussi. Du coup il reste 5 millions là. Oh ouais, mais elle va se faire défoncer. Hop, champion de Blitz. Je pense que ça la tue, honnêtement. Bim! Voilà, overkill. Elle a même pas le temps d'agir. Bouclier Genji. Alors ça, c'est dommage. Parce que je crois que je l'ai déjà, effectivement. Voilà, je fais extra sur glace, de toute façon c'est pas très très grave. Regarde Guado. Ça faisait longtemps que je vous avais pas vu. Voilà, encore des petits mobs de merde. Oh, pas grave. Hein. Ils ont tellement de peu de PV que... On est des boîtes.
Non, il va me rattraper. Il est sorti de te voir. Heureusement qu'il n'invoque pas Anima Purgateur à chaque fois, parce que... Moi, je me sentirais mal. Je fouille. On va remettre mon bouclier de paix. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Et on retourne. On retourne à un point de sauvegarde. Sauvegarder. Oui. Retourner au vaisseau. Alors, je suis à combien de temps de vidéo ? Je suis à 16 minutes. On peut essayer d'aller se faire Bahamut Purgateur. Et c'est pas le même niveau là, honnêtement. Je pense qu'on va se faire défoncer. J'ai pas assez de PV. Ruine des Arnakand. Hop, on va direct au dôme. D'abord sauvegarder. Sauvegarder. Oui. Du tout le chemin à retraverser, mais honnêtement, on s'en fiche un peu. C'est bizarre de pas se faire aggro tous les 3 mètres quoi. Hop. Il y a un point de sauvegarde juste là. Hop. Sauvegarder. Je sais, je sauvegarde tous les 3 mètres, mais honnêtement, je préfère ça plutôt que devoir retaper tout le chemin si jamais je crève comme un gros con. Hop, je re-sauvegarde histoire de récupérer mes PV. Ah, ça faisait longtemps. Petite sauvegarde. Hop. C'est parti. Viens te la mettre. Bahamut Purgateur. Ouais, bien sûr. Arcane. Éradication, on commence par ça. Hop. Il a 4 millions de PV, je vous rappelle. Et là, il s'y fait 6000 par coup. Ça va être long. Hop. Jackpot.
c'est mieux. Je vais sortir Yuna. Technique. Je préfère imiter Waka, non. Imitation ratée, dommage. Aïe, ah, ah. Magie blanche, soin max. Et je vais sortir Kimari. Kimari qui va y mettre une éruption solaire dans les dents. Il encaisse bien. Ok, je le rate. Ouh, pulsar, ça fait mal ça. Ça va, je crains pas trop. Magie blanche, soit max. On va soigner les DPS, technique. On va viser un petit peu. Magie blanche, soin max sur moi. Oh! Magie blanche, vie max. Ok, ça passe mieux. Défendre. Aïe aïe aïe. J'ai un vieux kiki. J'ai encore Yojimbo, Bahamut, Bahamut, allez. Lequel des deux Bahamut est le plus puissant? Je me demande. Prends mon overdrive. Vu qu'il va mettre le sien. Honnêtement. 99 il a 199. A ton tour. Oh, j'ai pris que 43 000. Ah bah du coup, mon Bahamut est le plus puissant. Bon, il a moins de PV, mais il fait plus de dommages. Ok. Raté, merde. Oh. Ok. Magie blanche, soin max sur Reinhardt. Technique, on va viser. Magie blanche, soin max sur moi. Ah ben, j'ai pas fait beaucoup de soins. Kimari tout plat. Encore raté. J'ai pas mieux. Sans max, ben non, j'ai pas mieux. On va viser, ce serait bien que j'arrive à mettre quelques coups. Ouf. Raté. Mmh.
Magie blanche, soit max. Voilà qui est mieux. Il est important que Yuna reste en vie. C'est pas grave pour qu'il parie. Pas bon ça. Magie blanche, 8 max. Je vais mettre en position de défense. Ça me permettra de mieux enquiller. Que dalle. 99 dommages. Bon. Oh, puis l'autre il a. L'autre il a son overdrive de prête. Osmose. Osmose sur Anima. Qui résistera pas à son attaque, mais au moins elle aura le temps de blesser son overdrive. Bim. 101 000. Allez, balance ton gros machin. Ok. On va se booster. Je l'ai fait deux fois. Trois fois. Quatre fois. Il faut le faire cinq fois normalement. Ok. Magie blanche, soin max sur moi. Voilà, je remonte à fond. Oh. Magie blanche. Et du coup, on peut le taper. 2. Ah, t'es où? Il a tué Reinhardt. Ah, c'était pas prévu ça. Qui mérite ou plat. Je commence par me soigner moi. Magie blanche, soin max, on va soigner Reinhardt qui est pas bien du tout. Voilà. Ah. Non, c'est pas viser que je vais faire, c'est soigner. Bon, c'est pas grave, ça fait deux fois viser. Technique, viser. Trois fois. Magie blanche, soin max sur Kimari. Technique, viser quatre fois. Magie blanche, soin max sur Reinhardt.
Et on vise 5 fois. Et là il m'en tue un. Oh bah ça il m'en tue une encore, c'est pas le pire. Magie blanche, Vimax. Et maintenant on peut le taper. 1. Défense, défense, défense. J'encaisse. Magie blanche, soin max. Allez, on le tape là, profite. Profite, j'ai dit. Voilà, Yuna, il y a quelqu'un qui arrive à taper. Et le pulsar. Ça va, on va être sans qu'il y ait. Clac. Invoquer. Invoquer Valfort, allez. Valfort, il va y mettre un écho. Et je prends pour la troisième fois ce overdrive. Je sais pas du tout combien de PV je lui ai enlevé. Adieu Valfort. Ok, attaque. Raté. Attaque. Ouais, c'est pas mal. Pulsar, je l'attendais pas celui-là. Fuc. Oh, le triple 99 999. Bon, bah, game over. Ah, il est encore un peu trop puissant pour moi, le petit cycle. Il fait vraiment trop mal. Même ses attaques à 10, 12, 10 000, bah, mettent 1000 life, en fait. Du coup, je peux pas en encaisser plusieurs d'affilée. Bah, c'est pas grave, hein. Je vais devoir me rebooster un petit peu et retourner là-bas quand j'aurai un peu plus de PV, 30 000, 40 000, peut-être, je sais pas trop. Voilà. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à vous abonner. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite un bon jeu à tous.